ici, au siège de la centrale électorale. Voilà, Guma Tundu, une communication très très attendue dans un contexte où l'opération d'enrôlement et d'identification a été déjà lancée sur les zones opérationnelles, comme vous savez, première aire et deuxième aire, troisième aire opérationnelle au niveau de la Belgique, l'Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis, mais aussi et la France, sur toute l'étendue du territoire national également. Il faudrait probablement faire la lumière sur tout ce qui se passe autour du processus électoral. Et alors, c'est un exercice démocratique, la centrale électorale se donne. Mais, tout à l'heure, probablement, ça ne sera pas une conférence qui sera animée par le président de la CENI et qu'on estime être en déplacement. Vraiment, le premier ou le deuxième vice pourrait bien conférer à Didi Manarin. Voilà, absolument, merci de cette précision, devant. Et près de 100 journalistes, essentiellement la presse nationale. Il y a des questions, cet exercice de jeu de questions qui va faire aussi l'objet de cette... C'est une conférence de presse, mais aussi apporter plus d'éclaircissement sur une espèce d'évaluation à mi-parcours, mesdames et messieurs, surtout avec ce qu'on apprend à travers le média, à travers les réseaux sociaux, au niveau des centres d'enrôlement et d'identification, le moyen alloué à la CENI, le déplacement des kits électoraux, autant de questions pourraient figurer sur ça. Mais on ne sait pas, imaginez, vous l'avez si bien dit, Gu, rien n'est infiltré à ce stade, tout sera et dévoilé tout à l'heure, avec Didi Manarin, qui est l'orateur de cette conférence de presse qu'on attend et, aujourd'hui. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'avancées significatives sur le terrain en termes d'identification et d'enrôlement des électeurs en dépit de défis sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. On trouve des forces négatives qui écument et le Nord Kivu et l'Ituri. Et d'ailleurs, la dernière en date, c'est cette lance-roquette du groupe terroriste M23 et qui a ciblé plus de 5 civils, mais aussi... Voilà, donc c'est dans l'entrée du deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Didi Manara. C'est lui qui va faire cette communication qu'on qualifie déjà d'importante de la Commission électorale nationale indépendante, Rachel Keta. Merci. Balondi ba chulu cha chitonga jimo kasumbu kesi kumekele mianda masongola na seni imu chikoso mujibu bakonga baka mona kamba ba mundo mwa chitonga kudi chindondi cha fumu mujiki wakasumbu kumekele mianda ya masongola ngalam kalenga Didi Manara mimi kama mule Jean Pala wa Denis Kadima mimi kama mupumbi shibwa katika mashu mani bwasi muyu kikai yuko na Nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans ces beaux cadres appelé salle Abbé Apollinaire Malumalu au siège de la CENI pour notre rendez-vous électoral hebdomadaire. Comme vous le savez, depuis quelques temps, la CENI a initié une tradition qui veut qu'elle communique presque chaque semaine à la population à travers les médias que vous représentez ici. La communication de ce jour sera faite au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la CENI empêché par Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la Commission électorale nationale indépendante. Sans plus tarder et avec tout le respect, nous invitons Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la Commission électorale nationale indépendante à bien vouloir prendre la parole. Excellence. Voilà, merci beaucoup de la parole, monsieur le modérateur. Vous me suivez là, au fond? Non? Est-ce qu'on peut venir arranger ces histoires? Parce qu'il y a deux micros qui ne donnent pas. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup pour votre attention soutenue.
mesdames et messieurs de la presse, en principe, on devait commencer à 14h, on commence par s'excuser pour ces 30 minutes de retard. La Commission électorale nationale indépendante a pris l'habitude de communiquer avec vous de manière régulière. En fait, c'est vraiment un rendez-vous du donner et du recevoir, où vous, de la presse, vous venez ici à la CENI pour avoir l'information, alors la vraie. Au-delà de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, nous vous demandons, nous de la CENI, de tenir compte de ce que nous vous disons ici, à la CENI. Parce que l'enjeu est de taille. Il s'agit des élections dans notre pays. Ces élections qui vont, au finish, générer les dirigeants de ces pays. À commencer par le président de la République, jusqu'aux dirigeants du plus bas niveau. Donc nous vous demandons vraiment d'être très assidus et d'écouter le message de la CENI. Vous avez les salutations de son Excellence Monsieur le Président Denis Kadima qui est en mission. Je viens de parler avec lui. Il me demande de vous saluer et d'écouter ce message avec attention. Alors, la communication de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de ce jour, va comporter deux points essentiels. D'abord, il s'agira de vous brosser, d'une manière générale, l'évolution de la révision du fichier électoral dans les trois aires opérationnelles. Il s'agira aussi, et enfin, du point d'information avant que nous nous passions au jeu des questions et réponses. Nous serons très ouverts et nous voulons que ce soit à bâton rompu. Mesdames et messieurs, par rapport à la première ère opérationnelle, vous savez que nous avons officiellement clôturé l'enrôlement dans cette ère opérationnelle, excepté quelques centres d'inscription qui ont posé énormément de problèmes, où nous faisons pratiquement de la récupération. Mais à ce jour, nous vous donnerons de manière exclusive tous les résultats à ce jour, au 14 mars 2023. Il s'agira également de vous parler de la période de récupération des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2, c'est-à-dire la deuxième ère opérationnelle. Le délai initial de l'ère opérationnelle 2 était de 30 jours, soit du 25 janvier au 23 février 2023. Mais vu l'engouement observé à la clôture de cette ère opérationnelle, un délai de récupération de 10 jours a été accordé aux compatriotes non encore enrôlés par le souci de garantir le caractère inclusif du fichier électoral. Ces 10 jours ont commencé à courir le 11 mars courant jusqu'au 20 et s'en suivra un délai de traitement des contentieux et des ramassages. Tout en rappelant que cette aire opérationnelle comprend 9 provinces, à savoir le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, l'Omami, Lualaba, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Tanganyika et Sankuru. À ces provinces s'ajoutent l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Les statistiques à la date du 13 mars 2023 se présentent de manière suivante par aire, donc par province. Dans la première aire opérationnelle, à la date du 13 mars 2023, le monitoring de la CENI renseigne que les statistiques provisoires des enrôlés dans cette aire opérationnelle ont évolué de la manière suivante. 1. Équateur, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 172 084, soit 99%.
hommes 622 738, femmes 549 346. Kinshasa, nombre d'enrôlés à ce jour, 5 535 278, soit 102%. Hommes, 2 724 474, femmes, 2 810 804. Congo central, nombre d'enrôlés à ce jour, 2 655 205, soit 112%. Hommes, 1 439 869, femmes, 1 215 336. Kwango, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 315 826, soit 110%. Hommes, 666 848, femmes, 648 978. Kwilu, nombre d'enrôlés à ce jour, 2 536 709, soit 90%. Hommes, 1 242 953, femmes, 1 293 756. Maïndombe, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 066 914, soit 98%. Hommes, 539 388, femmes, 527 526. Mongala, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 144 678, soit 96%. Hommes, 668 209, femmes, 476 469. Norubangi, nombre d'enrôlés à ce jour, 853 998, soit 102%. Hommes, 445 078, femmes, 408 920. Sud-Oubangui, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 728 427, soit 106%. Hommes, 879 475, femmes, 848 952. Tchouapa, nombre d'enrôlés à ce jour, 960 707, soit 102%. Hommes, 516 594, femmes, 444 311. Total pour la première ère opérationnelle, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'enrôlés à ce jour, 18 969 826, soit 101%. Hommes, 9 745 629. Femmes, 9 224 200. Tels sont les résultats de nos statistiques à ce jour dans la première ère opérationnelle. Dans la deuxième ère opérationnelle, à la date du 13 mars 2023, le monitoring de la CENI renseigne ce qui suit. Au Katanga, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 921 971, soit 64%. Hommes, 968 126. Femmes, 953 845. Au Lomami, nombre d'enrôlés à ce jour, 980 416, soit 61%. Hommes, 492 966. Femmes, 487 450. Lomami, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 096 885, soit 72%. Hommes, 556 341. Femmes, 540 544.
Lualaba. Nombre d'enrôlés à ce jour, 923 944, soit 74%. Hommes, 485 818. Femmes, 438 126. Kassai. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 410 823, soit 77%. Hommes, 743 909. Femmes, 666 914. Kassai Central. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 783 472, soit 94%. Hommes, 877 534. Femmes, 905 938. Kassai Oriental. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 108 469, soit 82%. Hommes, 542 599. Femmes, 565 870. Sankourou. Nombre d'enrôlés à ce jour, 684 950, soit 46%. Hommes, 383 462. Femmes, 301 488. Tanganyika. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 086 050, soit 75%. Hommes, 527 398. Femmes, 558 652. Total dans cette aire opérationnelle, 2. Nombre d'électeurs attendus, 15 381 709. Nombre d'enrôlés, 10 996 980, soit 71%. Hommes, 5 578 153. Femmes, 5 418 827. Congolais de l'étranger. Statistiques de l'Afrique du Sud. Hommes, 1839. Femmes, 1107. Nombre d'enrôlés à ce jour, 2946. Belgique. Hommes, 1777. Femmes, 1136. Nombre d'enrôlés à ce jour en Belgique, 2913. Statistiques de la France. Hommes, 3336. Femmes, 2149. Nombre d'enrôlés à ce jour, 5511. Aire opérationnelle 3. À ce jour, les statistiques provisoires dans cette aire opérationnelle se présentent comme suit. Bazouélé, nombre d'enrôlés à ce jour, 128 723, soit 22%. Hommes, 69 283. Femmes, 59 440. Otouélé, nombre d'enrôlés à ce jour, 516 236, soit 45%. Hommes, 271 730. Femmes, 244 506. Ituri, nombre d'enrôlés à ce jour, 664 420, soit 24%. Hommes, 360 091. Femmes, 304 329. Maniema, nombre d'enrôlés à ce jour, 559 928, soit 44%. Hommes, 303 173. Femmes, 256 755. Nord Kivu, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 020 179, soit 22%. Hommes, 511 125. Femmes, 509 054. Sud Kivu, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 143 842, soit 36%. Hommes, 595 389. Femmes, 548 453. Tchopo, nombre d'enrôlés à ce jour, 445 117, soit 28%.
hommes 238 048, femmes 207 069. Total, dans cette troisième ère opérationnelle, nombre d'électeurs attendus, 15 214 539. Nombre d'enrôlés, 4 478 445, soit 29%. Hommes, 2 348 839. Femmes, 2 129 606. Congolais de l'étranger, statistiques du Canada, hommes 215, femmes 96, nombre d'enrôlés à ce jour 311. Statistiques des États-Unis d'Amérique, hommes 111, femmes 57, nombre d'enrôlés à ce jour aux États-Unis 168. Total général, sans compter les électeurs de l'étranger, nombre d'électeurs attendus, 49 382 552. Nombre d'enrôlés à ce jour, 34 445 251, soit 70%. Hommes, 17 672 618. Femmes, 16 772 633. Ce sont là les vraies statistiques de l'enrôlement en République démocratique du Congo à ce jour. Mesdames et messieurs, nous passons à notre deuxième point qui était inscrit à l'ordre du jour, qui concerne le point d'information de la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez, mesdames et messieurs de la presse, que notre pays, la République démocratique du Congo, se trouve devant deux problèmes majeurs. Le premier, c'est l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda. Cette agression qui est décriée par tout le monde et qui fait que notre pays soit fragilisé à ce jour. Et le deuxième point, qui est le plus important pour notre pays, c'est l'organisation des élections générales à date, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel. Et laissez-moi vous préciser ici d'entrée de jeu que votre commission, la Commission nationale électorale nationale indépendante pilotée par le président Denis Kadima, n'a pas changé de narratif. Nous allons organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Et lorsque vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans le calendrier, c'est le 20 décembre de cette année que ces élections auront lieu. Et le mot « glissement », comme l'a toujours insinué le président Denis Kadima, n'est pas dans notre vocabulaire. Cependant, la CENI a noté qu'il y a une frange de la population qui ne cesse au jour le jour de cibler la CENI, de jeter des balles contre la CENI pour fragiliser notre système électoral, notre processus en cours. Et pourtant, ce processus électoral figure parmi les pieds séculiers, les bras séculiers de la stabilisation de notre pays. Nous avons été désagréablement surpris par la sortie médiatique de l'ancien président de la CENI, je parle du président Corneille Nangaa, qui n'a pas usé du devoir de réserve que lui incombe la loi. Il n'a pas usé également de l'éthique déontologique qui sont les valeurs morales qu'il devait en principe respecter. Voilà pourquoi je m'en vais ici balayer un à un les points qui ont fait l'objet du point de presse qu'il a accordé dans une des presses locales, et nous le disons par devoir de défense, parce que nous pensons, nous, de la Commission électorale nationale indépendante, que nous devons sécuriser ce processus qui donne la stabilité à ce pays. Sur la voie des ondes,
le président honoraire de la CENI a fait une déclaration tendant à jeter le discrédit et le mépris sur l'actuel management de la centrale électorale. Dans sa déclaration, il relève les problèmes liés au processus de désignation des nouveaux membres de la CENI, à la qualité de la photo en noir et blanc sur la carte d'électeur, à l'amateurisme dans la prise en charge des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, et, selon lui, aux faux chiffres quant au nombre des électeurs enrôlés dans la première ère opérationnelle. Nous allons aborder toutes ces questions. Face à cette déclaration fantaisiste et teintée de respect, d'irrespect et de manque d'objectivité, il y a lieu de faire observer ce qui suit. 1. Du processus de désignation des membres de la CENI. Parlons-en. L'auteur de la déclaration tente en vain de fustiger sans fondement le processus de désignation de l'actuel management, alors que ce processus est amélioré du point de vue légal avec des critères objectifs qui garantissent la transparence, ce qui n'a pas été le cas de l'auteur de la déclaration dont la désignation a été faite dans un contexte d'opacité totale, sans confrontation ni débat. En d'autres termes, l'auteur de la déclaration dont question n'est pas le produit d'une compétition à la désignation comme président de la CENI. Autrement dit, son profil n'a jamais été confronté à d'autres compétiteurs pour prétendre être le meilleur et donneur de leçons. Nous savons tous comment ce monsieur a été placé à la tête de la CENI. Il n'a jamais été question d'une quelconque compétition, comme ça a été le cas pour le président Denis Kadima, qui avait en face de lui des compétiteurs. On nous a parlé que ce monsieur a un profil, a un CV, mais où est ce CV? Moi, j'en doute. J'étais au Kenya dans un forum des présidents des commissions électorales nationales indépendantes des pays de la SADC. J'étais agréablement surpris de comment le président Denis Kadima a été ovationné lorsque je me suis présenté comme son deuxième vice-président. Quelqu'un est passé ici, il s'est targué le titre d'expert, qu'il a un CV, qu'il a un parcours, mais tout le monde connaît le parcours de M. Nanga. Il ne peut en aucun cas se comparer à Denis Kadima, disons-le en face. Expert électoral connu, sur l'échiquier national et international, chers collègues, chers membres de la presse. On ne peut pas, puisqu'on veut prendre une carrière politique, instrumentaliser le passage à la CENI pour se donner cette carrure. La politique, il faut la faire, mais attention, il y a beaucoup à apprendre. De la qualité de la photo en noir et blanc sur la carte d'électeur, il convient de préciser qu'au terme de l'article 6 de la loi électorale, la qualité d'électeur est constaté par l'inscription sur la liste électorale et la détention d'une carte d'électeur. En cas de perte de celle-ci, un duplicata est délivré par la CENI. Le législateur n'a jamais fait de la photo, moins encore de sa qualité, une condition déterminante de la qualité d'électeur. La photo est certes un des éléments identitaire, mais elle est en concours avec d'autres éléments repris aux articles 25
alinéa aux articles 25 et 26 de la loi numéro 4/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, tel que modifié et complété à ce jour. Il s'agit notamment des prénoms, noms et post-noms, le lieu et la date de naissance, le sexe de l'électeur, des noms du père et de la mère, de l'adresse et de la résidence actuelle, de la photo format passeport, de la signature ou l'empreinte digitale, de la province d'origine, du secteur et de la chefferie d'origine, du territoire d'origine, du village d'origine, de l'image de l'iris de l'électeur. Du reste, durant les processus précédents, la carte d'électeur faisait office de la carte d'identité et cette mention y était reprise. Avec l'identification de la population et la constitution du fichier de l'état civil par l'Office national de l'identification de la population, ONIP, l'actuelle carte d'électeur ne survivra que pour l'organisation des scrutins et la durée du processus d'identification de la population. Il ne fait donc aucun doute que certains éléments d'identification, comme la photo du candidat électeur, ne soient entourés de caractéristiques particulières dans le souci de réduire sensiblement le coût de production pour répondre aux impératifs d'ordre financier et logistique, alors que sous le mandat de l'auteur, je parle de Corneille Nangaa, la production de la carte d'électeur avait occasionné un coût financier et logistique exorbitant qui avait pesé considérablement sur les trésors publics. C'est pourquoi, tenant compte de toutes ces considérations, le nouveau management avait décidé de recourir au système d'imprimante thermique incorporé dans le nouveau kit d'enrôlement, du reste utilisé par plusieurs pays européens ou américains. Le président de la CENI m'a donné commission d'aller lancer les opérations d'enrôlement en Belgique. Et là, mesdames et messieurs de la presse, la photo en noir et blanc n'a posé aucun problème. Et d'ailleurs, c'était pas russe qu'on me demandait. Il dit, mais on a suivi à Kinshasa que la photo noir et blanc posait problème, alors que tout le monde là est noir. Qu'est-ce qui se passe? De l'amateurisme dans la prise en charge des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours. L'auteur de la déclaration accuse l'actuel management de la CENI de faire preuve d'amateurisme et de manque de planification dans la gestion des opérations en cours. Cette affirmation surprend quelque peu pour les raisons suivantes. Le prétendu manque de planification d'un fait état, l'auteur de la déclaration, ne peut tenir dans la mesure où l'activité calendaire de l'enrôlement des électeurs en cours a initialement été prévue dans la feuille de route du nouveau management, élaboré le 3 février 2022 à Bibois, dans la ville de Kinshasa. C'est ici le lieu de préciser que le processus en cours a connu 28 mois de retard que l'actuel management s'emploie de rattraper. À ce jour, il est clair que le processus électoral en cours est irréversible, car la CENI exécute scrupuleusement son calendrier qui prévoit l'organisation des scrutins dans les délais constitutionnels, et cela malgré qu'elle est confrontée à des défis multiples et variés en nature. Il suffit de prendre le calendrier électoral et de vérifier le cours des événements. Vous verrez que votre CENI est à jour, à ce jour. Qui dit mieux ? La procédure d'acquisition du matériel destiné à la révision du fichier électoral avait été lancée conformément à cette feuille de route, suivant une procédure de passation des marchés publics à laquelle le management de M. Corneille Nangaa n'a jamais recouru, alors que prévu dans tous les textes légaux et réglementaires ainsi que dans les manuels de procédure
de la CENI. Toutes les acquisitions, je dis bien toutes les acquisitions, sous le mandat du concerné, se faisaient de gré à gré, de manière subjective, à la tête du plus offrant et au mépris de la loi sur la passation des marchés publics. Ce qui lui a valu des sanctions qui courent jusqu'à ce jour. On m'a dit qu'on a renouvelé encore les sanctions. Et je crois que c'est ce qui monte un peu à la tête de certaines personnes. Les appels d'offres ont été lancés en bonne et due forme. Les soumissionnaires ont compéti et à l'issue du processus de sélection, là nous parlons de nous-mêmes, la firme Mirou avait gagné les dû marchés suivant des critères rigoureux et objectifs de sélection conformes à la loi sur la passation des marchés publics en RDC. J'aimerais dire ici que lors du mandat passé, toutes les acquisitions se sont faites de gré à gré. C'est ce qui a conduit à des sanctions à tous les niveaux, y compris par le peuple. Qui peut faire aujourd'hui confiance au prétendu qui s'étale le titre d'expert ou, je ne sais pas moi, de donneur de leçons? Alors que le nouveau management de la CENI a exposé ici, dans cette salle, dans une démarche clair, objectif sur la passation de marché de tout ce que nous faisons. La presse était invitée. Je crois que parmi vous, vous étiez dans la salle. Et vous avez tous remarqué que c'est Mirumi System qui a gagné de manière objective cette passation de marché. Où est l'expert, mesdames et messieurs, qui est expert entre les deux? La production et le conditionnement des kits ont été réalisés dans un temps record, là nous parlons de nous-mêmes, et permettent le déploiement des kits d'enrôlement dans plus de 22 271 centres d'inscription à travers toute l'étendue du territoire national, sans compter la cascade des formations des membres des centres d'inscription et des agents de la chaîne de supervision et leur déploiement sur le territoire national. L'acharnement de l'auteur de la déclaration peut se comprendre du fait que les résultats obtenus par le nouveau management, dans presque 2 mois, n'oubliez pas que nous avons lancé l'opération d'enrôlement le 24 décembre passé. Et si nous pouvons compter de manière relative avec les fêtes, c'est-à-dire le 25 décembre, le 1er janvier et tout ça, nous avons réellement commencé en janvier. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars, donc nous n'avons même pas encore totalisé 3 mois. Nous sommes à 2 mois et quelques jours, mesdames et messieurs. 2 mois et quelques jours. Je disais donc l'acharnement de l'auteur de la déclaration peut se comprendre du fait que les résultats obtenus par le nouveau management dans presque 2 mois dans l'ère opérationnelle 1 correspondent, suivez-moi bien, j'espère que vous êtes en train de me suivre, correspond à 5 mois lors de l'opération pilote dans le Nord Ubangi. Monsieur Nanga et son équipe ont lancé l'opération pilote dans le Nord Ubangi et ça a pris 5 mois. Et ça a pris 3 mois dans la première ère opérationnelle sous son mandat, en 2016. L'opération pilote réalisée durant 5 mois, au Nord Ubangi, de juillet à novembre 2016, avait recueilli 803 986 électeurs. 803 dans 5 mois. Et 679 996 enrôlés après des doublonnages. Alors, s'agissant de l'ère opérationnelle 1 de 2016, comprenant 7 provinces, à savoir le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba, Tchouapa, Sud-Ubangi, Mongala, Équateur, la CENI de M. Nanga avait enrôlé au bout de 3 mois, allant du 13 novembre 2016 au 13 mars 2017, soit 8 millions 846 852
pour 8 622 370 électeurs attendus. C'est-à-dire qu'au final, sous le mandat de l'auteur de la déclaration, juste pour l'opération pilote et la première ère opérationnelle, 9 526 846 électeurs ont été enrôlés entre juillet 2016 et mars 2017, soit pendant 8 mois. Pendant 8 mois, alors que pour la même opération, dans un délai de 2 mois, là je parle des chiffres, le nouveau management, en dépit des difficultés rencontrées que vous connaissez sur terrain, est parvenu à enrôler 19 246 505 électeurs sur les 18 694 542 électeurs attendus. Voyez-vous-même la différence qu'il y a. Où est l'expert et où est l'imposteur? Comment, dans ces conditions, des différentes remarques entre les deux cycles électoraux, l'auteur de la déclaration peut se permettre de qualifier l'acteur management de faire preuve d'amateurisme? Où est l'amateurisme dans tout ça? Dans 2 mois, le nouveau management enrôle 19 millions et dans 8 mois, vous enrôlez 8 millions. C'est pas croyable, c'est à peine croyable. Cette performance, en termes de respect des délais calendaires et des records dans les statistiques du nombre d'enrôlés, est loin d'être de l'amateurisme. Par ailleurs, l'auteur de la déclaration fait à dessein de ne pas souligner le succès de la première expérience, la toute première expérience de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger, dont les prouesses sont saluées par tous nos compatriotes de la diaspora et par l'ensemble de la communauté internationale. Durant son mandat, je parle de M. Corneille, il a recouru au moratoire à l'effet de justifier son incapacité de débuter cette opération dans certains pays, comme l'actuel management vient de le faire avec succès, du reste. Nous nous interrogeons également, à cet égard, où serait l'amateurisme dans le chef du nouveau management? Par contre, s'agissant de cette opération d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger, que l'auteur de la déclaration avait brillé par un manque d'ingéniosité notoire et criant. Parlons des faux chiffres, des prétendus faux chiffres quant au nombre des électeurs enrôlés dans la première ère opérationnelle. Mesdames et messieurs, c'est vraiment étonnant à tous égards. Les 19 246 505 électeurs enrôlés constituent les données brutes des statistiques de la première ère opérationnelle et qu'il faille attendre la fin de l'enrôlement de la deuxième et la troisième ère opérationnelle afin de procéder au dédoublonnage et à la consolidation des données pour avoir le nombre exact dans le fichier électoral en répondant au principe « un électeur, une voix ». C'est seulement après cette consolidation qu'au regard de l'article 6 de la loi électorale que la CENI publie la liste provisoire des électeurs par centre de vote avec une indication du bureau de vote. On était désagréablement surpris de suivre dans les médias que ces messieurs ont voulu que la CENI puisse à ce jour publier les résultats par quartier. C'est quand même pas croyable. Par quartier, alors que ce sont des statistiques brutes. On n'a même pas encore procédé au dédoublonnage, même pas la consolidation, et on n'a pas encore terminé l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national. Mais il veut qu'on publie à ce jour par quartier, alors que lui-même n'était même pas capable de le faire. Au plus tard, avant la campagne électorale, ça c'est la loi, la CENI publiera la liste définitive des électeurs par centre de vote.
avec aussi indication du bureau de vote. Et au plus tard, 15 jours avant le scrutin, sera affiché par consultation au bureau de l'antenne de la CENI la liste électorale pour l'ensemble du territoire, des territoires de la ville ou des groupements des communes pour la ville de Kinshasa. Du regroupement des communes pour la ville de Kinshasa, pardon. Dans ces conditions, comment peut-on à ce stade où l'enrôlement est en cours qualifier de faux chiffres si ce n'est par mauvaise foi et dans une intention de discréditer le processus électoral en cours et qui, au regard de nombreux observateurs, enregistre des performances inégalables en termes de délai et nombre d'électeurs enrôlés en comparaison avec tous les trois cycles électoraux derniers. Il y a lieu de relever que les statistiques diffèrent des données des électeurs. Les statistiques découlent des indications tirées des monitoring, c'est ce que je vais dire là. Nous sommes en train de faire le monitoring et nous sommes en train de remonter les statistiques. Ce ne sont pas encore les données. J'étais désagréablement surpris et même étonné de voir que l'expert puisse parler des données à ce stade. À ce stade, on ne parle pas des données, on parle des statistiques. On remonte, il n'y a pas de monitoring. Je doute fort de cette expertise dont se tâtent certaines personnes dans ce pays. Je disais donc qu'il y a lieu de relever que les statistiques diffèrent des données des électeurs. Les statistiques découlent des indications tirées du monitoring des opérations, alors que les données découlent de la consolidation du traitement de celles-ci. C'est pourquoi la CENI a rendu public, par souci de transparence seulement, les statistiques que je viens de vous lire il n'y a pas longtemps, et du reste provisoire, tirer des éléments collectés lors du monitoring des opérations. C'est pour cela que vous voyez que les statistiques sont changeantes, sont évolutives, parce que ce ne sont que des statistiques qui remontent de nos CI. On ne peut pas parler de données maintenant et de demander à la CENI de pouvoir les publier. Ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable. En attendant la consolidation de toutes les données, dont la remontée se fait progressivement dans chaque ère opérationnelle. Il est donc étonnant que l'auteur de la déclaration qui a publié les résultats électoraux in globo, vous vous souvenez, n'est-ce pas, par souci d'opacité, exige de manière erronée à ses successeurs de publier les statistiques de l'enrôlement des électeurs en détail pour assurer la transparence. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Alors que le peuple congolais attendait les résultats en détail, il les a publiés in globo. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? En somme, l'auteur de la déclaration étale sa mauvaise foi et son intention de nuire au déroulement du processus électoral en cours, à ce que, sous son mandat, il n'a pas récolté dans son actif des prouesses réalisées par le nouveau management. Point 5. L'auteur de la déclaration peut-il être un modèle de gestion et donneur de leçons? Je m'en vais répondre à la question. Au-delà de toutes les considérations relevées ci-dessus, l'auteur de la déclaration ne peut s'ériger en modèle de gestion ni en donneur de leçons. Parlant de sa gestion, et s'agissant particulièrement des infrastructures, il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif deux points. Plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI, tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces, sans exclusion aucune. L'immeuble abritant le siège national de la CENI, l'immeuble ici où nous sommes, dans un état de délabrement très avancé. Je vois que vous le savez tous. Regardez un peu l'état de la salle où nous sommes.
avec des installations sanitaires dégradantes. Je n'aime pas en parler. Parce que ça donne... Ça reflète l'image un peu des gestionnaires de ce qu'ils disent. Pour redorer le blason de l'institution terni par l'auteur de la déclaration, l'actuel management a acquis l'immeuble abritant le siège national de la CENI en initiant les travaux de réhabilitation du 10 siège, particulièrement la rénovation de la salle des conférences à Bémalou-Malou, nous sommes, et ses dépendants, qui sont à ce jour embellis et équipés à la hauteur et au prestige de l'institution. Il en est de même des entrepôts centraux en cours de construction et le paiement des arriérés des loyers de tous les démembrements à travers le territoire national. S'agissant du social des cadres et agents de la CENI, plongés dans une précarité sans précédent, suite au rabais sensible des salaires à 40%, et à la gestion calamiteuse de l'auteur de la déclaration. Étant sensible à la misère de ces derniers et dans le souci de placer l'homme au centre de toute action, le nouveau management s'est engagé résolument depuis sa prise de fonction, non seulement à apurer les 9 mois de salaire impayés par l'auteur de la déclaration, mais aussi à réajuster à la hausse les salaires des agents de 40 à 100% à ce jour. Face à toutes ces évidences, l'on peut donc une fois de plus s'interroger si l'auteur de la déclaration peut vraiment s'ériger en donneur de leçons. Laissez-moi vous dire que désormais, parce que l'auteur de la déclaration, c'est la 4e fois qu'il passe dans la presse pour tirer à bout portant la CENI, désormais, puisqu'il s'agit de l'ancien président de l'institution, désormais, lorsqu'il passera dans la presse, nous allons répliquer. Merci beaucoup. Alors, c'est... Communication. Vous venez de suivre avec attention la communication de la Commission électorale nationale indépendante de ce jour. Et à présent, nous allons passer au jeu des questions et réponses. Et comme nous sommes au mois de mars, je voudrais commencer par une dame. Pour honorer la femme. Je vois la dame en rouge, une main derrière là-bas. Oui, madame, vous pouvez avancer. Avancez ici. Ah, c'est madame Bibiche. Je ne vous ai pas vu. Merci beaucoup. Vous vous présentez. Je suis Bibiche Moua de la radio-télévision Biwan. Moi, je reviens sur la question relative, en rapport avec le manque de planification tel que dénoncé par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Et si l'on vous demandait de vous auto-évaluer par rapport à cette opération, qu'allez-vous nous donner comme réponse? Merci. Merci. Nous allons prendre la deuxième question. Oui, venez, monsieur. Vous vous présentez. Je vous vois tous. Je vous vois. Merci. François Mukanda, une question de volet. Le premier volet de ma question, c'est de savoir si l'on a décaissé les fonds sollicités par la CENI, parce que la dernière sortie médiatique du président Denis Kadima Kazadi, on avait l'intention qu'il y avait 6 mois et la CENI n'avait pas eu les fonds. Si au jour d'aujourd'hui, vous pouvez nous dire combien la CENI a eu et si possible, au prochain rendez-vous électoral, si l'on pourra publier les tableaux de fonds décaissés. Le dernier volet de ma question. Il y a certains leaders politiques congolais
qui sollicite à ce que l'on suspendât les opérations électorales pour nous concentrer à la sécurité et au développement des Congolais par rapport à la réalité de l'Est. Que dit la CENI? Merci. Merci. Nous allons prendre le troisième. Oui, avancez, monsieur. Je suis Mike Pakoto. Monsieur le Président, ma question se focalise sur certaines informations. Monsieur, je suis Mike Pakoto du groupe des médias Top 243 News. Sur la problématique liée sur un dialogue qui se prépare en perspective. Parce que avant d'aller dans le plus des détails de votre explication, vous nous avez rassuré que peu importe ce qui va se faire, la CENI tient à respecter et à organiser le processus électoral dans le délai constitutionnel. Alors, on va avoir l'idée sur un probable dialogue qui va se faire. Est-ce que ce dialogue qui se fera dans le politique ne pourra pas vous empêcher d'avoir encore un glissement comme vos prédécesseurs ont pu en bénéficier, dont vous venez d'ailleurs d'éclaircir l'opinion quant à cela, entre autres. C'est votre prédécesseur comme président de la CENI, Corneille Nangaa. Merci. Merci. Patrick Bamboka. Après, ça sera Eric Isam, de l'antenne A. Merci pour la parole. Patrick Bamboka pour Zoomeco. Monsieur le deuxième vice-président, récemment, le président de la CENI a évoqué certaines difficultés concernant la remontée des données. Et nous voudrions nous assurer, est-ce que ces rythmes de remontée des données vous permettent de rester dans le délai? Merci. Voilà. Eric Isam, est-ce qu'on va continuer la première série avec Eric? Merci, monsieur le deuxième vice-président de la CENI. Déjà, félicitations pour le travail qui est fait, mais je voudrais comprendre une chose, parce que dès demain, déjà, va s'ouvrir au niveau du Parlement la session parlementaire. On devra s'attendre à l'examen et puis, in fine, au vote de la loi portant sur la répartition des nombres de sièges. Je voudrais déjà avoir une idée du moment où CENI, vous pensez arriver au niveau du Parlement pour terminer cette question-là. Et puis, deuxième question, on vous met beaucoup de peau de banane à mon sens, hein. Mais je voudrais comprendre, le bureau sortant, dirigé autrefois par Corneille Nangaa, dit que les agents qui ont travaillé avec lui réclameraient 21 mois d'arriéré de salaire et que vous, votre bureau actuel avec le président Denis Kadima Kazadi, bloquerait. Comment vous y répondez? Et puis, pour terminer, j'observe ce qui se raconte à travers le pays et j'enregistre plusieurs sons de cloche, notamment au niveau du ministère de Finances. Quel est le délai qui, selon la CENI, si jamais on ne vous donnait pas des subsides afférentes, vous ne saurez pas évoluer? Parce que là, un semestre, septembre, depuis septembre 2022, mars 2023, ça fait quand même un semestre, c'est pas rien. Quand est-ce que, si jamais on ne vous donne jamais rien, ça va bloquer la machine CENI actuellement? Merci. Merci à tous les intervenants. Nous allons permettre à Son Excellence, Monsieur le Vice-président, à bien vouloir fournir des éléments de réponse. Excellence. Non, merci beaucoup. Je vais commencer par la question de Madame Bibiche, de Biwan, qui demande à la CENI de s'auto-évaluer par rapport à la planification de nos activités ou de nos opérations. Madame, je vous demande seulement de prendre votre calendrier. Je crois que vous avez le calendrier électoral. Regardez le calendrier, parce qu'en fait, l'évaluation s'est faite sur base des indicateurs objectivement vérifiables. Et les indicateurs vérifiables ici se trouvent dans le calendrier, c'est-à-dire le respect des délais, le respect des opérations. À ce jour, je peux vous dire, sans crainte d'être contredit, qu'à 100%, nous respectons ce délai, nous respectons ces opérations. Donc, pour notre auto-évaluation, au regard des indications qui sont vérifiables, c'est-à-dire notre feuille de route, notre calendrier électoral, nous sommes à jour. Je crois que je l'ai dit. Et nous sommes très satisfaits, en tout cas au jour d'aujourd'hui.
Monsieur François, vous parlez des fonds, des finances. Effectivement, c'est une question. Je crois que le président de la CENI, M. Denis Kadima, l'a fustigé. Et laissez-moi vous dire que les cris d'alarme qu'il a lancés, et d'ailleurs, nous avons fustigé cet état des choses depuis la publication de notre feuille de route, qu'il s'agit des contraintes. Et heureusement qu'il a lancé ce signal d'alerte. Ils se sont rencontrés les deux, c'est-à-dire le président de la CENI et M. le ministre des Finances. Et nous pensons qu'à ces jours, nous attendons les fonds parce qu'il y a beaucoup d'impératifs, il y a beaucoup de choses que nous devons vraiment réaliser, notamment la paye de nos MCI, notamment la remontée des données. Je crois que quelqu'un a fait allusion à ça. Nous attendons de manière urgente ces fonds. Et le gouvernement nous a promis que dans un bref délai, ces fonds nous seront disponibilisés. Voilà un peu, nous croyons à notre gouvernement, parce que c'est notre institution, nous n'avons pas deux, et nous pensons que le gouvernement va faire son travail, va répondre à ses obligations légales et constitutionnelles, de doter à la CENI les fonds nécessaires, parce que nous ne générons pas les recettes. Et nous pensons vraiment qu'à ces jours, puisque le gouvernement nous a promis, après la rencontre entre les deux chef des institutions, le ministre des Finances et le président Denis Kadima, nous pensons que dans les jours qui viennent, nous aurons ces fonds. Et nous pouvons vraiment lever les obstacles qui sont devant nous, par rapport aux fonds, par rapport au financement. Vous nous demandez de publier les fonds décaissés. Je ne sais pas ce que dit la loi par rapport à ça. Si nous pouvons publier les fonds alloués, je ne sais pas, mais je n'ai pas connaissance que la loi nous exige la publication de comment nous gérons les fonds de l'État. Par rapport à la sécurité, est-ce que nous envisageons peut-être la suspension des... Non, pas du tout. Je crois que en matière électorale, chaque institution doit faire sa part des responsabilités. Au gouvernement de doter les fonds, au gouvernement de sécuriser le processus électoral, à la CENI d'organiser les élections. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous vous disons que nous, à ce jour, nous sommes prêts à organiser ces élections dans le délai. Laissez-moi vous dire que nous saluons vivement vraiment les efforts qui sont menés par le gouvernement de la République, notamment l'approche sur plusieurs fronts, sur le front militaire. Nous saluons vraiment la bravoure de nos forces armées, de comment ils sont en train vraiment de verser leur sang pour que la paix revienne au pays, de contraindre cette agression qui nous est imposée par le Rwanda, en tout cas à ces Congolais-là, à ces militaires-là, à ces services de sécurité-là, la CENI leur adresse un coup de chapeau. Nous remercions également le gouvernement sur notre front, le front diplomatique, et nous pensons que sur ce front diplomatique, les choses sont en train d'avancer. Et nous saluons vraiment que la communauté internationale, que les organisations régionales, sous-régionales, l'Union africaine puissent vraiment mettre la main dans la pâte pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, au niveau de la CENI, nous croyons vraiment à cette approche, à toutes ces démarches-là du gouvernement, en commençant par le plus haut sommet jusqu'au niveau de toute la population. Nous pensons vraiment que la paix reviendra en République démocratique du Congo et la main de l'Éternel est sur notre pays. Et nous allons organiser ces élections dans le délai. Nous ne sommes pas, nous, les... Nous ne voulons vraiment pas que le pire arrive. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, surtout les prophètes des malheurs, qui veulent qu'il n'y ait pas élection pour qu'ils puissent se retrouver dans des salons pour se partager encore le pouvoir. Le peuple congolais, nous pensons, nous, de la CENI, que le peuple congolais veut qu'il y ait élection dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 20 décembre de cette année. Le dialogue, je crois que j'en ai parlé, pour nous, je ne sais pas, mais la CENI, en tout cas à ce jour, nous sommes à moins de 10 mois des élections. Parce que les élections auront lieu le 20 décembre, nous sommes à moins de 10 mois. Faudra-t-il qu'il y ait un dialogue? Mais le dialogue n'est pas mauvais, si les gens peuvent dialoguer. Parce que si vous arrêtez le dialogue, ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? Mais sachez maintenant quel est le contenu du dialogue. Et si c'est pour freiner le processus électoral, eh bien ça, c'est vraiment une matière à discuter. Hein. Parce que je vous dis ici
qu'en arrêtant le processus électoral, envisager également tout ce qui peut arriver au niveau de notre pays. Parce que ça peut prendre toutes les formes possibles. C'est-à-dire, je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais je crois que la meilleure des façons pour notre pays, en tout cas pour la CENI, c'est d'organiser ces élections dans les délais. Nous allons échapper à beaucoup de mauvaises choses pour l'avenir de notre pays. La remontée des données, oui, bien sûr, je crois que je l'ai dit, c'est encore, vous voyez, par exemple, les statistiques dans la troisième ère opérationnelle, ces statistiques-là ne sont pas complètes. Demain, déjà, vous pouvez voir que ces statistiques peuvent même doubler, même tripler, puisqu'il y a des coins. Moi, par exemple, je viens de la Tchopo. J'ai visité pratiquement 6 des 7 étoiles de la Tchopo. Ce n'est pas facile de remonter les données. Il y a des endroits où vous allez en moto, vous arrêtez à 100 km et vous devez faire encore 100 km à pied. Donc, 3 jours et 3 nuits à pied pour arriver jusqu'au niveau du centre d'inscription. Et voyez un peu, s'il faut remonter les données, il faut compter une semaine. Voilà pourquoi nous disons que cette remontée des données doit être financée et nous attendons l'argent, évidemment, de la part du gouvernement. Et puisque le gouvernement, à travers le ministre des Finances, nous a promis, en tout cas, cet argent est attendu ici au niveau de la centrale électorale. La répartition des sièges, nous serons au rendez-vous parce que la session s'ouvre demain, je crois demain c'est le 15, et prendra 3 mois, c'est jusqu'au mois de juin. Nous ne pensons pas que jusqu'à la fin du mois de juin, nous n'aurons pas terminé l'enrôlement des électeurs. Non, nous ne pensons pas. Et nous pensons que nous serons vraiment à date et nous allons soumettre cet avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau du Parlement. Et nous aurons cette loi. Et après, la phase qui va suivre, vous vous en souvenez, ça sera l'appel à candidature, n'est-ce pas? Est-ce que la CENI bloque 21 mois d'arriérés des salaires? Ça m'étonne un peu cette question. Ça m'étonne. Je crois que j'ai parlé suffisamment dans le speech que j'ai donné ici. La CENI, au contraire, est en train de réhabiliter l'agent jusqu'à doubler son salaire. Mais ça, ce sont des arriérés laissés par M. Kone Nanga et son équipe. Ce sont les arriérés. Vous avez parlé d'arriérés, n'est-ce pas? C'est laissé par M. Kone Nanga. Posez-lui la question. Ce n'est pas à Denis Kadima que vous devez poser cette question d'arriérés de salaire. Posez-lui la question, qu'est-ce qu'il en a fait? Où est passé cet argent-là, les 21 mois de salaire? C'est à lui de répondre, en tout cas, ce n'est pas à la CENI de répondre. S'il n'y a pas de subside, est-ce que la CENI... Non, nous ne voulons pas être vraiment des prophètes des malheurs, hein, parce que nous savons vraiment que notre stabilité tient sur l'organisation de ces élections à date. Et nous pensons vraiment que notre gouvernement sera à mesure et est en mesure vraiment de donner les moyens nécessaires à la CENI de pouvoir avancer et d'organiser comme vraiment tous les peuples congolais attendent d'organiser ces élections le 20 décembre de cette année. Et nous sommes... Cet objectif est à notre portée et nous pensons que avec l'aide de Dieu, nous le ferons. Voilà un peu comment je réponds à cette première série de questions. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons prendre la deuxième série. Tout à l'heure, il y avait, je crois, je ne vois plus, Teddy. Il est 50, Teddy, je l'ai vu. Je suis là. Ah, bon, avancez, mais... J'ai l'impression que c'était Teddy. Et nous prenons également 7 sur 7. Reste Maïk. Teddy est là. Voilà. J'avais vu sa main, s'il vous plaît. Oui. Presse Maïro. Déjà, on a répondu à vos questions. Merci. Madame Gino Réma. Alors, vous pouvez aider madame à avancer, je vous en prie. Oui, on commence par le premier. Merci beaucoup, monsieur le vice-président, pour la parole. Je suis Teddy de la 10e rue de télévision. Je vous ai suivi religieusement pendant votre intervention. Vous avez réagi à tous les propos par l'ancien président de la CENI, Corneille Nakamura. La question de savoir, aujourd'hui, il est ancien président de la CENI et président sortant, bien sûr, il a conduit le processus électoral de 2018. Aujourd'hui, avec votre bureau, que vous avez promis et réagi maintenant à toutes ces interventions, à toutes ces sorties médiatiques. Ma question, c'est comment ça va nous amener à quoi? C'est tout simplement une question. Merci beaucoup. Merci. Je suis en train de continuer.
Vous avez dit ici que les membres de la CENI sont tenus au devoir de réserve pour ne pas divulguer les secrets des délibérations. Mais maintenant que M. Corneille Nanga a violé cette disposition, sa parole, est-ce qu'il sera poursuivi par la justice ou par ses responsables? Merci. Madame Gino. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Puisque vous avez refuté en bloc toutes les déclarations faites par l'ancien président de la CENI, mais vous pouvez au moins publier bureau par bureau les résultats sur la révision du budget, ne serait-ce que pour l'AO1, je ne sais pas si c'est possible, c'est ça la question. Deuxième question, il y a une question de légitimité du bureau de la CENI, de la composition du bureau de la CENI, qui a été même évoquée avec le Conseil de sécurité de l'ONU, qui était ici en République démocratique du Congo, par rapport à la délégation de leader de l'opposition. Aujourd'hui, serez-vous prêt, le bureau d'Edicatiba, à pouvoir accepter qu'on puisse refaire la composition du bureau? Est-ce que vous serez prêt? Merci. Merci. Les données, oui, les données. Merci, Jean-Louis Ngoï, Digital Congo. Alors, monsieur le deuxième président, je voudrais savoir pourquoi il a fallu que l'ancien président Nanga puisse parler publiquement pour que vous puissiez évoquer tout ce que vous avez évoqué. Parce que vous avez présenté beaucoup d'irrégularités, principalement sur la passation du marché de gré à gré, où on sait pertinemment qu'il y a possibilité qu'il y ait des poursuites judiciaires parce que ce n'est pas permis dans la loi. Pourquoi il a fallu que monsieur puisse parler pour que la CENI puisse en ce moment réagir? Réponse. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Voilà, il y a un problème. Hein. Pourquoi vous vous engagez à répondre à M. Corneille Nanga lorsque moi je dis, ben, parce que tout simplement, il n'est pas n'importe qui, c'est le monsieur qui a dirigé cette institution. Ce n'est pas un quidam, ce n'est pas un monsieur de la rue. Et pour le ramener à la raison, parce qu'au fait, la question électorale, elle est tellement sensible que lorsque quelqu'un s'attaque à son intégrité, nous avons, nous, de la CENI, l'obligation de défendre cette intégrité pour amener la stabilité dans ce pays. Parce qu'il y a beaucoup d'inconscients. Lorsqu'on tire à boulet rouge de cette façon sur la CENI, on tire au fait sur l'intégrité de notre processus électoral, c'est-à-dire sur la stabilité de notre pays. Et nous avons vraiment absolument le devoir de défendre notre institution, c'est-à-dire de défendre l'intégrité du processus électoral. Lorsqu'il y a des violations, ben, écoutez, ce monsieur n'est pas à sa première violation, vous vous rappelez. Il n'y a pas deux semaines, il est passé pour dire qu'il y a eu des accords politiques qui ont fait à ce qu'il n'y ait pas ben de sang dans ce pays, mais ce dossier n'est pas encore clos. Il est passé, il s'est rebiffé, il a fait une culbute en l'air pour dire non, c'est pas ça et tout ça, non, ça ne suffit pas. Ensuite, il est venu, s'est plongé dedans parce que l'argumentaire qu'il a donné là, il s'est enfoncé davantage parce que ce n'est pas ça la bonne raison. Il doit expliquer au peuple congolais comment est-ce que les accords politiques ont fait que les pays puissent éviter un bain de sang. On appelle ça des violations flagrantes. Vous voyez? Et ce n'est pas à la CENI, vraiment, de se mettre à la place de la justice pour interroger les uns et les autres. Vous nous demandez de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Mais nous ne faisons que ce que la loi nous dicte, madame. Mais passer au niveau de nos centres d'inscription,
bureau par bureau, vous avez dit, c'est comme si vous voulez parler de centre d'inscription. Lorsque vous passez au niveau des centres d'inscription, vous verrez que nous affichons la liste album. À la fin de la journée, lors de l'enrôlement des électeurs, nous affichons la liste album. Je ne sais pas ce que vous demandez encore de faire. C'est ce que la loi nous demande de faire. Et c'est ce que nous faisons régulièrement. Si vous avez été alerte, vous avez vu que à chaque fois que vous passez au niveau de centre d'inscription, vous voyez que nous avons affiché la liste de tous ceux-là qui ont été enrôlés la veille. Ça, c'est la loi. Mais lors du vote, nous allons publier les résultats, bureau de vote par bureau de vote. Je crois que le président de la CENI vous l'a dit, et la loi nous l'exige, et nous le ferons. La légitimité du bureau de la CENI, ça a été évoqué par l'opposition. Qu'est-ce qu'il en est ? Bon, nous, écoutez, nous savons que notre pays, par rapport à tout ce qu'il y a eu comme agitation lors de la désignation des membres de la CENI, le pays a perdu 28 mois de retard. Je me rappelle moi-même, je crois que vous savez le rôle que j'ai joué au niveau du Parlement. J'étais président du groupe parlementaire PPRD. J'étais le chef de l'opposition. Je crois que vous le savez, au niveau du Parlement. Je crois que je suis devant la presse ici. Le président de la République, le président du Parlement, de l'Assemblée nationale, a demandé à 4 reprises que les composantes doivent amener les noms des compétiteurs pour que le processus électoral puisse avancer. Ce n'est pas à la CENI ou à qui que ce soit vraiment de se mettre à la place des composantes pour amener les noms. Ce qui est vrai, mesdames et messieurs de la presse, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans les schémas du blocage. Nous sommes convaincus, nous, de la CENI, que ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent le blocage. Ça dit, ils cherchent quoi ? On doit recomposer la CENI. On doit recomposer la Cour constitutionnelle. On doit revoir la loi électorale. On doit. Ça va nous amener à combien de temps ? Alors que le peuple congolais attend les élections. En même temps, ils disent qu'il faut organiser les élections dans le délai constitutionnel. Vous ne voyez pas qu'il y a une antinomie là-dedans ? Et nous, de la CENI, nous disons que nous avons parcouru, en tout cas, tous les chemins requis par la loi pour être là où nous sommes, tous les 15 membres. Et je vous dis que nous sommes passés par les mailles sévères de cette procédure. Nous sommes passés vraiment à la sélection. Nous sommes passés devant la commission paritaire. Nous sommes passés devant l'Assemblée nationale pour le vote, pour l'entérinement. Donc, je ne vois pas, à l'heure actuelle, pourquoi est-ce que le pays doit recommencer éternellement ce qui a déjà été fait. Et surtout que l'équipe actuelle vous prouve noir sur blanc qu'elle est compétente, elle est en train de faire de très bonnes choses pour ce pays. Aujourd'hui, nous sommes déjà, et qui l'eût cru, qu'après 2 mois et 2 semaines, que nous pourrions enrôler 34 millions d'électeurs. Qui l'eût cru ? Je ne pense pas que vous, de la presse, vous pouviez le croire. Si on vous disait à l'époque, vous allez dire qu'on mentait, comme vient de le faire le monsieur dont question tout à l'heure. En 2 mois, s'il vous plaît, en 2 mois et quelques jours, 34 millions de Congolais. Si ce n'est pas une expertise, c'est quoi ? Si ce n'est pas la bonne volonté, c'est quoi ? Si ce n'est pas une performance, alors c'est quoi ? Donnez-moi le qualificatif. Pourquoi attendre à ce que M. Corneille Nangaa puisse fustiger des choses pour les dénoncer ? Nous sommes tenus au secret. Nous sommes tenus à la déontologie. Mais puisque lui-même a voulu étaler, je vous signale qu'il a laissé beaucoup de cadavres dans son placard. Et ça, ce n'est pas les derniers. Donc s'il continue, nous allons continuer. Voilà. Nous disons merci à son Excellence, monsieur le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes arrivés à la fin de notre point de presse de ce jour. Nous vous remercions sincèrement pour votre participation et nous vous fixons rendez-vous dans les jours qui viennent. À présent, nous vous invitons de bien vouloir rester en place
sur vos sièges afin de permettre à son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président, et les autorités qui l'accompagnent de bien vouloir quitter la salle. Mesdames et Messieurs de la presse sont priés de rester dans la salle pour une petite information. Presse, restez à vos places. Donc pour c'est une la petite sortie, information qui vous concerne. Le premier vice-président, M. Didi Manara, qui quitte la salle après sa communication, sa communication importante. Deux points à l'ordre du jour. La cartographie en fait de toutes les aires opérationnelles à la date du 13 mars 2023. Donc pour l'aire opérationnelle, la première aire qui est composée de 10 provinces, le total cumulé fait état de 18 969 826 enrôlés. La première aire opérationnelle, elle comprend les provinces de l'Équateur, de Kinshasa, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du Maïndombe, de la Mongala, du Nord et Sud Ubangi et de la Tchopa. La deuxième aire opérationnelle, elle enregistre à ce jour 10 996 000 enrôlés. Et là, ce sont les provinces du Haut-Katanga, Olomami, Lomami, Lualaba, le Kasaï central, le Kasaï oriental, et le Sankuru et le Tanganyika. Enfin, il y a la troisième aire opérationnelle qui est constituée de Bazuele, Oele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Tchopo. Et là, déjà 4 millions d'enrôlés. Cette même opérationnelle, la troisième, concerne également deux pays de l'Amérique. Il s'agit des États-Unis d'Amérique et du Canada. Le Canada, lui, enregistre 311 enrôlés. Les États-Unis d'Amérique, à ce jour, nos compatriotes sont au nombre de 168 à s'être enrôlés à notre ambassade à Washington. Et donc, ce sont là les statistiques que M. Didi Manara Linga, le deuxième vice-président de la centrale électorale, a donné avant de fustiger, en fait, de répondre aux attaques lancées par l'ancien président de la CENI, M. Corneille Nanga. Monsieur Didi Manara a balayé d'un revers de la main toutes les accusations portées contre l'actuel management de la CENI par l'ancien président de la CENI. Pour lui, en effet, toutes les opérations et toutes les passations de marché de l'actuel management de la CENI ont été faites dans les normes. Et il n'y a pas eu de marché gré à gré, comme c'est le cas pour le management précédent à marteler Didi Manara, premier vice-président de la CENI. Il faut dire qu'il a insisté sur le fait que les élections seront organisées le 20 décembre 2023. Ça, c'est Didi Manara qui le dit. Les élections seront organisées le 20 décembre 2023 et il n'y aura pas de glissement, pour reprendre l'expression du deuxième vice-président de la CENI. Pour lui, en effet, le mot glissement n'existe pas dans le vocabulaire de la CENI. Et donc, sa communication a porté justement à la critique de cette sortie médiatique de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, qui, d'après le deuxième vice-président de la CENI, devait être tenu au devoir de réserve. La CENI
La CENI va maintenant répondre coup sur coup à chaque fois que M. Corneille Nanga va s'en prendre à l'actuel management. Il rappelle donc que c'est pour la quatrième fois que l'ancien président de la CENI a fait de critiques qu'il qualifie lui d'acerbe contre la CENI et que désormais, la CENI répondra coup sur coup. Et donc, il a balayé d'un revers de la main les accusations portant sur l'amateurisme de l'actuel management de la CENI. Il a balayé d'un revers de la main toutes les accusations portées en rapport avec la photo en noir et blanc qui est contenue sur la nouvelle carte d'électeur. D'après lui, en effet, cela n'a pas posé de problème. Et si l'option noir et blanc a été levée, c'était juste pour amortir le coup de Rachel. Tudi fikonde kelo kwa chibelo cha jitukujalelo didi manara odumikala chidondi cha fomomo kela kasumba kesi kwa mkele mena masungulangana mufile lwa polo lwa mianda ya jikwanta twalata mushuni mikala miezeka mu province yonso ya munu majitu nja kongwa mwa lata pomukuma tunga menyi mu d'Afrique du Sud mu de France mu de Belgique mu de Canada lwa polo nso on le fila ne pas chichev mu tamba kunyingala la ko mono boase umo ufo mukala kala mfumujiki wakasumba kwa Tosa kidila mamu wetu Rachel Keta ni kutokana tu na masemi ya kiongozi wa zamani wa CENI yeye aliweza kutamka katika mitambo ya radio pia ma television fulani ndiye kiongozi wa pili makamu wa CENI bwana Didi Manara alitamania kabisa kutoa majibu kutoa mwanga kuhusu masemi yenye kiongozi wa zamani wa CENI aliweza kusema ya kuweza kudharau kazi yenye kigundi cha sasa ya CENI iko nafanya kuhusu hali ya kuandika wa raia wa Kongo juu ya uchaguzi, kwani aliweza kutupilia kazi yao kusema kwamba hali ya vitambulisho ya kura ya sasa haiko vizuri kutokana na picha yenye kunatoka ya nyeupe na hali ingine ya makazi yenye kuendeshwa. Basi ndiye bwana Didi Manara, kiongozi wa pili makamu wa CENI, aliweza kutoa mwanga kuhusu kazi yenye CENI iko naendesha na aliweza kuhakikisha ya kwamba hakika kura itaweza kuendeshwa kwa muda wenye kustahili, kwani CENI kwa hapa sasa imekwisha kuandika yapata wachaguzi milioni 13.4 kwa miezi 2.5, japokuwa hawajamaliza kuandika kabisa wachaguzi katika eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kutokana na kazi yenye kwa nafanya na jinsi kiongozi wa zamani wa CENI aliweza kusema, ni kuona kwamba alitamania kutupilia pia kudharau kazi yenye wengine wako wanafanya kwa hapa sasa, na hali hiyo haiko vizuri, haikuweza kutoshelea kabisa viongozi wa sasa wa CENI. Mami Mambwene. Accenti acide de au Congo ya solo to komina suka ya likita tope masolo maye mokambia ibale ya CENI Didi Manara linga ya sangisa ki bapandisa ngo po ya kolomani ola na bango ya ibaki na kopesa la polo na bituka biye bivute ki bongo kokomisa nkombo po ya bomono nyo mapunumi enge bene na bilobalo ba oyo iloba maki na mokambi o akambaki misala ya CENI Corneille Nanga kala ya le kaki etando e kempo na koloba ite ba bakambi ya CENI ba bazali kokamba misala sika bango ba kokute ba pono ki bango na bipono pono kasi bango ba kokaki na musala monate pe alobaki makambo masusu mai mangengo bakina kite na tena ena Didi Manara linga ye ayuta kina kolimbola polele polele te uta bango banda musala kino mwe malelo ezali pene pene na ba bana etuka ba ekolo Congo démocratique pele pele na milio
kama isato na ine bango basili bongo kokomisa nkombo ya bango kasi mayemanso marubami omonoko ya Corneille Nanga ezali maloba malokuta mpe elongo bani soki mokete na bana nsomi ya ekolo Congo Démocratique po ya Didi Manara Linga ayebisi ete ekolo ya biso ekolekana maponomi osanza ya zomi na ibale ometukumba ina isato bana nsomi ya ekolo Congo Démocratique bakoponomokambi oyo bango balingi pona kopuma ekolo kasi bilobalo ba inso oyo lobami na Corneille Nanga ezali maloba ya lokuta mpe ezali maloba ya pamba kasi ba mukebisi ete atika bilobalo basika soki ezali kokoba sena koloba makambo ya lokuta pe ya pamba pamba sika seni ekotelema pe bakolanda engebeni mibeko ekolibeko likondi ya kolo Congo Démocratique elobami ekwati ya ekolo ya biso. Voilà, nous étions dans la salle Abbé Apollinaire Malumalu. Cette salle a été donnée en dédicace donc au tout premier président de la centrale électorale, l'abbé Apollinaire Malumalu. Une minute pour conclure cette conférence de presse. Merci, merci à vous tous qui nous avez suivis et à la prochaine. Désormais, c'est chez vous de vos canapés que vous vivrez le relooking de la RTNC. Nouvelle identité visuelle, habillage d'antenne adapté, grille de programme revisitée, live assuré sur www.rtnc.cd. Tout pour nous réconcilier avec notre chaîne nationale, vecteur de nouveaux narratifs sur la République démocratique du Congo. Prenons rendez-vous pour parachever cette modernisation et permettre à la RTNC de jouer son rôle de média public. RTNC, votre voix, vecteur de l'unité nationale.